Très chers compatriotes congolais et congolais, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjobu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, réfléchir autour de la politique, réfléchir autour de la situation sécuritaire et surtout autour du message prophétique, en fait une projection politique du président Félix Tshisekedi. Il en a parlé dans le passé. Et nous n'avons pas fait attention. Alors, tout ce qui est au Kundoli, nous avons expliqué ce que ma Congolais, partie par partie, ma Kamini présente Félix Tshisekedi dans nos bagues, Nini Oyo, Azali Kofungu, la ma Congolais, Misu. Alors aujourd'hui, on va réfléchir autour des blocs pétroliers. On va faire un exercice philosophique autour de ce problème des blocs pétroliers. Vous voyez qui présente Félix Tshisekedi à Télémeni américain. À l'obité? Et il y a 30 blocs pétroliers, il y a 30 blocs, 27 pétroliers et 3 gaziers. Si vous avez dit que vous avez tout solo, là, ma camouane, ma bloc pétrolier, on est à la qui wapi. Mon bout, tu as dit 32 ans dans le pouvoir, Kabila 18 ans dans le pouvoir, peuple congolais a souffri. Tu as dit que ma bloc pétrolier, on est à la qui wapi. Il y a une photo fungo là, tout solo là. Et surtout que le président Félix Tshisekedi nous a parlé de tant que balingako déstabiliser mboka, balingi ba pauvrir mboka, ba ça la de l'extérieur té. Ba utiliser ka ba répondant, ba traître, ba immoro au batani na kati. Il y a une photo fungo là ba congolais misu. Et to beta qui c'était na Vital Kamerhe, mais lelo to beta c'était na Moussousou Demi Dakar, Olivier Kamitatu, le porteur de mallette des juifs, du zambien, juifs, pilleurs, Moïse Katumbi. Mais avant tout, Mbamou, tout le monde va commenter, je ne sais pas si c'est une émission passée, il y a qui moi mingi, mais je sélectionne moi d'âme. Mon vieux Albert Michel Kabeya partir à Paris, merci beaucoup Albin de bonne analyse, très flatté mon vieux. Pierre Boudiambi, à retenir Makambo Tchegebera Lobby. Sur 10 balles, tu aurais tenir 9 pour la robe maba, pour que tu aies un traître de l'intérieur. Voilà, restons vigilants. Zoro Katai, merci beaucoup. Fatih Beton Krik, merci beaucoup. Ma petite soeur Beloti Mavungu, que je salue, Skazali. Maman Agnès Nalonde, n'a pas Simbote. Mais être juste au sac, on a pas Simbote. Louise Anango, n'a pas Simbote. Beloti Mavunga Lobby, nous sommes d'accord avec le vieux Naï Kenji Mukendi. Je suis très flatté. Françoise Odia Mukendi, Omo Nangai, nous avons besoin de merci beaucoup. On doit valoriser nos mœurs. Ça, c'est des alliés master. Photo salaire. Augustin Mukuta, à Lobby, good job. Jean Kiesse, good. Tout ce que nango. Ndomba qui est-ce? Ndomba qui est-ce? Ndomba qui est-ce à l'obi boyé? On doit être prudent avec Caméléon, avec Caméré, c'est un sorcier. Et tout à la paix prudent, la vieux Sassou. Ma commentaire, on attend à Rabandé Ronangaï, et ça, t'es gros, introduction, émission Bandi, non, émission, c'est Bandi. À partir de ma commentaire, tout à l'heure, qu'on capte, ma message, ma idée, oh, y'a ma neko, oh, y'a ma lana qui est émission, la mission, ils ont dit très très important de partager en haut. Ça fait partie intégrante de l'émission. Voilà. Blaise Tamboué, Pessinga Proverbe Moussousou, Alobi Proverbe Moussousou, Zali Boé, Nachilou Balobi, Uji Mou Manina, Wa Kadia, Bidja, Bitoupou. Bon, de Rolaraï, Pessa Bissosiko, Pessi Proverbe, Pessa Siko, signification à Proverbe, c'est très important. Mais dans le commentaire, tant que Rolanda, oh, mon frère Blaise Tamboué, Pessa Bissosiko, commentaire. Explication et proverbe. Rose Mazambi, voilà, a le bien confirmé, VK à cause de la groupe rebelle. Voilà. Maman Clémence Mbombo, na Bundes, a pesé commentaire, na pesé mot de Sigazali, maman Alaba, Yvonne Alaba, na pesé mote, Jet Kadiman à Paris, na pesé mote. Voilà, merci beaucoup. Jean Matoko a lobby que Kamere a dit Kamikaze, ya Kabila, na Kagame. Tout ça là, très attention. Donc, on l'a à l'œil. Kamere, on t'a à l'œil.
Heureusement, la prison, le rôle à G. Sakana. Willy Tchekebou. Willy Tchekabou plutôt. Willy Tchekabou. Azo se posait la question. Message qui tombe, il y a président Félix Tshisekedi dit, oh yo. Pourquoi pas ma communicateur, il y a eu des pèses. Bas Zoyango, toi, Union Sacrée. Bas Zoyango, bas numéro là-bas, RTNC, là-bas, ça, la large diffusion, il y a une communication très, très profonde, il y a président Félix Tshisekedi. Bah, on sait la réalité. Mais bas Zoyango, au filet. C'est ça, Nirolangaï, bon. On n'en peut rien. Nous, nous pouvons, nous faisons ce que nous pouvons. Tous les loba, ceux qui m'ont yo, qui sont yo quitté, mais bisous tous les loba pour peuple. On cible la vie, c'est un peuple congolais. Le congolais appauvri et le congolais meurtri. Ne, il faut y aller, baba, message, la bisou. Oh, bah, ça, il y a un bon, bon, tout ça, la bonne ligne de Nirolangaï. Alors, Nirolangaï, Pakistan, il y a l'objet que, laissez-les entrer, tout ce qui va rouler dans la côte, nous allons en finir avec d'une manière brutale, la plus dégoûtante. Le Congo n'est pas le Rwanda. Bon, ça va. Avec le commandant Akoti Sikachiwewe, Aoutiko Deniche Gobengana, 145 officiers rwandais. Commandant Kisekchiwewe, oh, Akoti Kala Lobby Lobby. Aoutiko Bengana, 145 officiers. Mathieu Baropemene. Le combat contre l'infiltration de Bissagi Bino. Et c'est banni déjà. Donc vous allez comprendre que c'est un combat au Ebanda qui déjà te commis ce qu'on a point à vous finaliser en haut. Alors, Willy Pelulingo fait a l'objet que Vital Kamerhe est un virus au Congo. Donc Kebala Mutuana, il est très dangereux. Bon, il y a bien malin. Bon, il peut être malin, mais Kamerhe n'est pas intelligent. Non, Rabadou, c'est son Kamerhe à Ramael et Belé. Té, Ramael était. Ah, mais elle était. Ce moment-là, je joue Babylon, Rouen, Pam, Pamba. C'est qu'il n'est pas intelligent. Voilà. Donc, et puis il a dit à Kamerhe Boye, à Lobi Boye, à répéter ma loba, à Papa Mbosso, à Bina Kamerhe, chaque jour, et ça l'a théâtre été. Kebana yo. Bah, t'as une défense, mais rajette. Je te salue, mon frère, Willy Pelou Lingofi. Voilà. Bon, tout ça, dans le monde, Evaristo Kabeya, qui est parti des États-Unis d'Amérique, hier, à Zoloba, surtout, il y a une vidéo où il y a Félix Tshisekedi. Large diffusion, là, pour ma camo, Félix Tshisekedi a le bise très, très profond. Bah, on s'en est à côté, mais bah, on y a un bongo, pam! Donc, le président Félix Tshisekedi, là, ça, pour la peuple, là, déjà, Maloba. Augustin Moukouta, que je salue à l'obi, une épaisse machine politique, c'est bon. Et puis, il varie sur Kabe, à l'obi, le sous, je m'en termine sous Kameleon. À l'obi, tu aimes ça, qui binoni, Naza Moutoumoro, très dangereux, ok, bah, bonjour, kaké. Bon, quand il y a un tiki, ton tiki est un de mon angaï. Faisant te tisege de Aza Mayele. Tanga arrêt à cour de cassation. Kamerhe n'est pas innocenté. C'est ça le terme juridique. Il n'est pas innocenté. Il est acquitté. Tanga, au moins, il y a un nom. Bah, tiki brèche moro boye. À tout moment, Kamerhe peut rentrer en prison. C'est là qu'il y a déjà une mission en haut sur Yamou. Voilà. Donc, on le verra peut-être prochainement. Moui pas te René, le but pourquoi vous trouvez important, c'est bien ma casse na Kamerhe. Trouvez important, c'est ma casse, c'était Nirolanga. Toujours fouloué, ma Congolais, Misou, na ma touille. Trouvez important, ça t'a moroté. Toujours fouloué, le Congolais, Misou, Ayeba. En fait, Kamerhe, elle a un échantillon. Mais il y en a beaucoup. Bah, c'est belé, bah, moukouégué, bah, la kati. Bah, Fayoulou, bah, la kati. Bah, Mouzitou, bah, la kati. Bah, Katoubi, bah, la kati. Bah, Olivier Kamikat, bah, la kati. Yé, t'aurais bête, fait fimboulé, l'eau. Alors, c'est un peu ça. Alors, rapidement, tu auras qui information, maître Richard Pinda, oh, y a communicateur, il y a UDPS, Azali, ancien cadre, il y a UNC, à Longwa qui n'a UNC, à côté, il y a UDPS, Ami d'Aucho Kangisae, pour la Nini, il a fait une dénonciation que Amida aurait. Quand ça va transaction, moi, y'a bah, oh! Alors, bah, Kanye, injustement, un communicateur du chef de l'État, bah, Kanye, Panani, moi, c'est Vital Kamerhe. Donc, ton fou la misou, toi, y'a bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, quitte à nous aussi, le communicateur à UDPS, surtout à Kinshasa, tant vous avez le cas, bon, y'a bah, oh, vous allez qu'on l'oba. Ne donnez pas, tout ça, l'état, fait du segué d'azo, y'a pas déjà état de droit. Toi, la R à Kabila, t'es aux communicateurs, on te protège. Non. Quand on se connaît, dis l'essentiel de la communication.
Si on doit frapper, frappez-les, mais prudemment, avec la prudence, dans la psycho. Donc, mais je crois que, bah, on a la dossier naïe, tout étudiant fait que dénoncer, mouillé, bien mis, d'azo, il va, oh, voilà, moi, c'est la caméra, voilà, c'est tout. Motemingi, nanderonara, Yves Lumaya, la lead, bah, la poto, y a tongo, la soupe, ça mote, na birton, kabeya, la soupe, ça baron, mote, Guy Kiesse, Totonami, Yaza Cheval, Paris, Angleterre, la soupe, ça bino, mote, c'est Bozali, Didier, c'est ça. Anthony Prince, mot de la ministre Kabozali. Alors, très rapidement, émission, on a mis sur Siko et Otorobe, t'as du solo, y a. Y a. Dans la Tchabino, deux vidéos, très rapidement. Oh, et ma Kabozali, on est là, na France, et na Angleterre. Une file d'attente sur le trottoir pour une distribution de nourriture gratuite. Scène devenue quotidienne au Royaume-Uni. Le pays, parmi les plus grandes puissances mondiales, compte désormais plus de banques alimentaires que de franchises McDonald's et KFC. Face à la hausse du coût de la vie, les files d'attente n'ont jamais compté autant de nouveaux venus. Je n'aime pas venir ici. Donc, Oezali, file d'attente, il y a ma pauvre. Oezali, mbongo, en Angleterre. Mbongo, c'est quand on a vendu que j'en kenji. En Angleterre, mbongo, on a vendu. Bazo ke nokosenga le monde, donc bazo ke nokosenga le biloko ya kolia na McDonald's, basali file biloko etikali ba déchets etikali bapesa bango balia ba déchets ba supermarché ba déchets ba... na Angleterre, cinquième puissance mondiale économiquement parlant, Angleterre. Sikoyo oyo, regardez, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, un décalage entre la réalité et ce qu'on nous dit et ce qu'on vient nous expliquer. Excusez-nous, hein, monsieur, c'est vrai, monsieur Plan, mais... Oyo Ezali, file d'attente, il y a un somba caribiron à France. Et ça, c'est ma mikoloyo. File d'attente à Moulaï. Il y a un somba caribiron. Na France, il n'y a pas la sixième puissance économique dans le monde. Deuxième puissance économique dans l'Europe. File d'attente pour la rejoindre carburant. Pénurie de carburant. Tu go yo Congolais, tu vas te faire manipuler bêtement. J'insiste, tu vas te faire manipuler bêtement par des kabilistes, des voyous, des kabilistes, des katoumistes véreux. Ah, voyez, M. Sabino, que non, le pays va très mal. La RDC va très mal. Félix Tshisekedi dans tout ça et l'autre. Allez, yo, fait Congolais, au Vandi, aux Oyandamarmazo, Loba. Vous allez qu'on pense à peu près message ouana. Oh, le pays va mal. T'as l'Angleterre. M'bon, la vanne. Quel jour vous qui n'avez l'Angleterre? T'as là. Eh. Sauf qu'on a un supermarché au monde, hein. Bah, tiens, place Moro Boye. Bah, qu'il y a un retien, bah, bureau à Olia. Oh, ils allaient pratiquement périmer. Oh, bah, repère, ça va pauvre. Bah, et combien belle l'Angleterre? La vie devient très chère. Tu go yor fou la mbanga na yo, fait tu sais que je ne fais rien. On va vous faire manipuler bêtement. Oh voilà, le pays va très mal. Comme si à l'époque de Mobutu, le pays allait mieux. À l'époque de Kabila, le Rwandais Kabila, le pays allait mieux. Ouais, on va voir Lipe Mati. On va voir Lipe Mati. Fiantantant. Alors, ce que Lipe Mati, bon carburant. Oh le bilan à Lipe. Carburant, l'obité. Bruno Kidiadia, je te salue Bruno Chikozali. On a le bilan à l'IPA. Et bon, aussi, qu'on carbira, le gouvernement du Congo a maîtrisé en haut. Voilà l'obélité. Réserve d'échange. Oh, Kabila Tika, ce qui est 800 millions. Félix Tshisekedi a 4 milliards 500 millions de dollars américains. On le bilan à monter. Budget, on est mati. On le bilan à monter. Le Rwanda Tika, on a 4 milliards. À peine. Abandon, on ne quand même pas qu'on tient. Budget comme à 4 milliards. Félix Tshisekedi dans le Mongoliango de 4 milliards à environ 15 milliards de dollars américains en 2 ans. Ce qu'on va refouler la main, tu réfléchis pas. Alors réfléchissons, Bandero Nangai. Voilà. Alors rapidement, sujet d'avis sur phare, Ezali, la réflexion autour des blocs pétroliers. Bah, 30 blocs Wana, 27 gaz, 27 pétroliers et 3 gaziers. Moi, je me pose la question que John Kenji. Un constat. On va se poser plusieurs questions
Venez-moi pour répondre. Bon, nous allons répondre. Bon, yiba. Moi, quand je suis là, je suis là. 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 Les Congolais de mauvaise qualité, les Congolais sales, ont crié au scandale. Or, le président Félix Tshisekedi nous dit la réalité. Alors, moi, je me pose la question. Ma bloc pétrolier, Félix Tshisekedi, dit na petit naïe, ministre à hydrocarbures, cheval blanc, dit pour dire, bazo bimisalelo. Ma bloc pétrolier, on est à la wapi à l'époque de Mobutu. Première question. Ma bloc pétrolier, à l'époque de Mobutu, Kabila, 32 ans Mobutu, Kabila 18 ans, Bablok Petrolier, ça a dit wapi. Depuis 32 ans, il y a Mobutu, il y a 18 ans à Kabila. Est-ce que Mobutu na Kabila savait-il que les blocs pétroliers existaient? Oui, bah y'a pas qui. Pour blocs pétroliers, Oyo, Oyo, entre RDC et Angola, Angola suçait déjà le pétrole. Depuis l'époque de Mobutu, Angola a versé Mongo. Na compte privé ya Mobutu. Laurent Désiré Kabila yé bazo verser les mongo na compte privé. Kabila mwana ndeke kanambe yépe bazo go verser mongo na compte privé. Et d'ailleurs, à l'époque de Kabila, il y a un bloc pétrolier au Kabila cédé à Dan Gettler. Tozua qui Félix Tshisekedi a zuyango a récupéré yango. Donc il savait que ce bloc pétrolier existait au Congo. Pourquoi est Kabila, troisième question, pourquoi Mobutu et Kabila n'exploitaient pas ces blocs pétroliers? Pour la ligne. Voilà. Vous allez comprendre maintenant que non, avec la récente réaction de l'Américain John Kerry, Félix Tshisekedi a cet appel d'offres, il y a 30 blocs pétroliers, Bango Bazoïm, ça fait 6. Donc, vous allez comprendre que non, il est clair que ce sont les Blancs qui ne voulaient pas que les Congolais bénéficient de leur richesse. Alors, réflexion Moussoussou. Bilomo, on a posé ma question. Bilomo, on réfléchit, on a dit que c'est outil. Tozo, les Lanzara, la Congo, tozo, Kemba, l'université, passi, Chiki, passi, instruction, santé, passi, Banzele, Zate, mais tu vas la richesse. Pourquoi Mobutu et Kabila n'exploitaient pas? Alors, mais comment Sikoyo, Bablo Petroleum et Bimigara subitement à l'époque de Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi, tant que Félix Tshisekedi a eu pouvoir, est-ce qu'il a fait les études de prospection Kakana tant a eu pouvoir? Est-ce qu'il a, il a fait des découvertes Kakana a eu pouvoir? Est-ce qu'il a fait les mises en valeur seulement dans 3 ans a eu pouvoir? Non. Donc, ma bloc pétrolier a existé depuis Kala. Félix a eu kaka volonté de représenter ma bloc pétrolier au peuple. Au peuple a yéba que non, ma bloc pétrolier a eu zaraka. O yéba yango. Félix c'est que d'abimisi yango na poisson. Au vu aussi de tout le monde. Na peuple ba kolo Congo, ba kolo ba bloc pétrolier. Et na souka, Félix c'est que d'inaï que le courage d'affronter les blancs. As-tu courage, on ne peut pas américain, 30 pétroliers, ils sont en royo. Tu es tout exploité. Bah, américain, gaga. Si qu'on, bolobinin. Bah, non, si qu'on va en discuter. Alors, toujours dans le cadre, il y a constat. Pourquoi il n'y a que Félix Tshisekedi, dans Petit Naé, Didier Boudim, ministre à Hydrocarbures, Cheval Blanc, qui parle et qui se batte pour l'exploitation de nos blocs pétroliers? Vous observez, bon, mon nom, et ça va faire que c'est qu'il y a un gouvernement naïe, ne va pas l'obé la macam ou y a un bloc pétrolier. Silence radio de Namounoro, il y a tous les politiciens. Silence radio. Vital Kamerhe, dans 5 ans, il y a un cotisa. Vital Kamerhe, dans 5 ans, Congolais, il cotisa, un Rwandais, il y a un brassage, mixage, il y a un Rwandais, dans l'armée, dans la police, dans l'abisson. Il ne parle pas de bloc pétrolier. Silence radio, t'as dit, m'a gagné, alors m'a bloc pétrolier. Faut le coup de le bloc en latin. A quel États-Unis, à quel salle la conférence n'est pas à pam pamba, ou à quel te gaba livre, pamba pamba, à la livre bidon. À quel salle, à comme chanteur, à comme il goyemba. Congo, à ça le roi à zolé là. L'arme, les armes de crocodile. Les larmes de crocodile plutôt. Heureusement,
bah interpellé qui il a été recadré kaka na la conférence de presse yo fayulu oza muninga Félix Tshisekedi bo buni pour la pouvoir titi Félix Tshisekedi a gagné yo yo mo rejoindre au loba que non il y a la balkanisation qui nous guette. Alors qu'est-ce que tu proposes pour to bloquer balkanisation aux gens l'impression qu'on va le voir oh bah émoluments et bah député 21 000 $ aux élections mais ce que balkanisation tu n'en parles pas. Bah tu vas interpeller Fayulu les États-Unis quand pas bah tu n'as pas roi à décider bah la moukiste bah interpeller à combien tu sauves à moko boy. Alors Florian Mbongo, le faux cardinal, le cardinal sorcier Ndoki contre la gratuité scolaire. Bah bloc pétrolier, oh, il n'en parle pas. Senko, avant le Belamote, Abé Chole. Ozo, bon le Belamote, bah bloc pétrolier. Bon le Belamote. Fallait bon initier marche pour le soutenir bah bloc pétrolier. Bon le Belamote. Mouzito, il n'en parle pas. Fang Diongo n'en parle pas. Mukwege, Mukwege, fake Nobel Prize, la poupée des blancs. Yekoutou kou baron lobe, la koutou baron bloc pétrolier en mode. Et t'as yekoutou te. Baron pour même le baron karageno, moulouba le roi, moulouba ta président de la République à Longwa. Moulouba président Longwa. Baron bazo en Wende. Baron bloc pétrolier t'as yéte. Ils n'en parlent pas. Ils n'en font pas un sujet majeur. Parce que, les salaires des députés, les élections, même ma grand-mère infiltration, il y a ma Rwandais dans l'armée de la Bissot. Balobé la rangote, Katumbi n'en parle pas, Mukwege n'en parle pas, Balobé la rangote, Kamere n'en parle pas, Fayulu n'en parle pas. Voilà. Ma grand-mère infiltration, il n'en parle pas, condamnation à Kagame, ma grand-mère M23, ils n'en parlent pas. Ce que yo Congolais, aux alliés qu'aux gens comprennent des gars. Alors, toujours dans le cadre de la réflexion, sur les blocs pétroliers, où est Bimi Lelo, Félix Tshisekedi a Bimi ici. Félix Tshisekedi, il est en danger. Il court un danger. Des gars Bimi ici, ma bloc pétrolier, où est Bimi Lelo. C'est un danger. Et c'est là qu'il y a miné, il y a un qui s'est congolais, va exploiter Bimi Lelo. Yango Félix Tshisekedi a tchéli bango na mesa. Alors, qu'est-ce que maintenant je dis? Est-ce que le refus du président Félix Tshisekedi devant les Américains, est-ce que est-il suicidé? Est-ce qu'il a suicidé pour ça? Rappeler, je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi a dit non aux Américains. T'es, ma ramenabine, ma 6 blocs pétroliers en Toboï. Nous sommes tchéli 30 na mesa, yango te roto rolobé là. Alors, vu la nature des Américains, la nature de la cruauté, la nature criminelle des Occidentaux blancs, les Américains, qui n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils ont une guerre à tout moment. Ils ont une guerre à tout moment. Ils ont une guerre. Faites-y, c'est que dans le bas, il y a une mission dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a une poser ma question? Malheureusement, faites-y, c'est que dans le lobby, ils allaient suicider RT. Et surtout que la RDC ne dispose pas d'une armée fiable et forte. Kabila a conseillé Bino à Guénot, on a l'armée, tu vois, on a 8e en Afrique, on a l'Ukuta. On a l'embargo, on ne peut pas acheter des armes, donc on n'a pas des armes. Et puis il y a l'infiltration. Et puis, ma service, il y a ma Rwandais, ma infiltré, Bisso, ma gonflé effectif. Oh, tu as 100 000 hommes, oh, tu as 25 000 hommes à l'Est, 25 000 militaires à l'Est, fais-tu ce qui est d'un contrôle, tu as 6 000. Donc, bah, gonfler ma chiffre, pour qu'on s'en va congolais. Qu'on a une grande armée, pourtant c'est faux. Alors, on n'a pas d'armée. Mais le Félix Tshisekedi a tenu l'Américain. Alors, c'est ce que moi je parle de la tactique du président Félix Tshisekedi. Quelle est sa tactique? C'est simple. La tactique du président Félix Tshisekedi est simple. Ils ont suicidé RD. Ils ont suicidé. Et Zakaragueno, il est malin, il est intelligent, il est sage. Pour Alobakiango, avec courtoisie. Mais. Franchise. Avant moi, la poto, c'est un Congolais bantou. C'est un Kinois. Donc, à Timba Zamaele, à ce moment-là, il y a Kabila, il y a président, il y a Zamba Zamba, il y a Tanzanie, il y a président de la République, chef d'état-major général, général, il y a combien de président de la République. Devant un blanc, il aura peur. Devant lui, Michel, Kabila, Abandon, Alenga, Abandon, Olenga.
Alors, tant que vous avez dit que vous avez dit ce qu'on fait, c'est que dit avant de la mindele, à discuter de la mindele, à lier à mon cerveau, à yébi bango. Donc, il sait comment négocier avec. Et moi, vous voyez que pour le moment, on a besoin d'un président de la République comme Félix Tshisekedi. Ce sont des poupées de blancs. Il n'a aucune parole devant des blancs. Tout le monde a besoin de la République. Alors, j'explique maintenant pourquoi Félix Tshisekedi a télémélie. Je ne dis pas qu'ils sont suicidaires, qu'ils sont stratégiques, qu'ils sont tactiques. Premièrement, le président Félix Tshisekedi veut montrer aux blancs, aux Américains, oh, bah, il a qu'il a pouvoir, que il veut leur démontrer sa vraie nature de nationaliste et de patriote. Et il veut s'émanciper. L'émanciper. Ce qui donne le respect et l'estime de la valeur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est le point le plus important, c'est de discuter avec les Américains tout en exigeant le manque à gagner des blocs pétrolier inexploitable. C'est-à-dire que, nous avons dit que non, nous avons obtenu 30 dans la main, ça. Nous avons dit 6, tu as renégocié, n'abarro. Et même, Patrick Mouya vient d'en parler, le gouvernement vient d'en parler. Porte-parole à Gouba Lobby que, nous avons américain, ma bloc pétrolier, oh, nous avons dit que exploité, vous devez nous payer la contrepartie. Donc, ceux qui ont exploité, à côté, manque à gagner, Wana. La communauté internationale doit payer. Donc, vous comprendrez que, Félix Tshisekedi est très intelligent et sage. Donc, Mayele naye oyo ya kotia ba blek potoyo na mesa 30 wana et wuti na COP 26 o esele maki na Écosse. Ba la kaki biso mongo et comme il a repensa mongo bazo pesa mongo te. Alors Félix Tshisekedi di maman ka kei a kodo ni ba blek pétrolier. Et na mesa. 30. Donc sûrement sur 30, tu auras quoi peut-être ba mbi 6. Si tu renégocies, tu auras quoi peut-être na 15. 20 blocs pétroliers. Mais, les 10 autres, quoi, peut-être, n'a 15 blocs pétroliers, donc, meli, moitié. Mais les 15 autres, oh, et Tikali, ils doivent nous payer de l'argent, contrepartie, mongo, dans le peuple congolais. C'est simple. Communauté internationale, France, États-Unis, Chine, Russie, États-Unis, Angleterre, Canada, bah, on va nous sanguiner ça, mongo, bah, peuple, là-bas, on va nous foutre, bah, taxe. Aller battre dans la Congo pour bisou de développer peuple na biso alors toi tika zamba et la toucher c'est simple ils ont une œuvre d'esprit ils ont amayele au chef de l'état na biso azana yango et surtout la volonté et aussi le courage de le dire en face des blancs jongler avec eux jouer avec eux voilà donc yangonde frato kabulana bino rapidement na leki na dossier ya le traître corrompu Olivier Kamitatu, c'est un katumbiste. Tu as remarqué, Mikolo, comment on est dans la tweet, dans le message médiatique, en train d'insulter littéralement le président Félix Tshisekedi, insulter l'UDPS, sans raison. Donc, sur le plan politique, tu as battu Bango. Autour du dossier de la CENI, tu as gagné Bango. Autour du dossier de la Cour constitutionnelle, tu as gagné Bango. Autour de l'organisation des élections, loi électorale, tu as gagné Bango. Et autour du contrôle des masses populaires, de la population congolaise, tu as gagné Bango. Félix Tshisekedi a gagné Bango. Alors, ils n'ont plus d'option. Comme il y a un foyer de tension sécuritaire, il va créer des ordres, il va créer une mutinerie armée. Et Kotoyo, il va insulter. Contre le président Félix Tshisekedi. Il y a un abus de te répondre, de te recadrer. Ce troubadour, Demi Dakar, Namoutou et Loroté, Olivier Kamitatu. Tata naye Moindo, papa Kamitatu yebiye, aza Moindo, le Kolanga, le Kolabiso, maman Kamitatu Moindo, mais moi n'abîme pas Ndele. Moi n'abîme pas Ndele. Expliquez-nous. Et tout le monde connaît, ma Congolais, tout le monde a Kinshasa, ma Zaïwa, Toyebi, ma Venebiso Serge Kamitatu, pauvre Serge Akoufa. Au Taliban, la Kamitatu, au Taliban, le papa Kamitatu, n'est pas mort. Mais au Yabima, n'est pas. Et puis, il a un esprit, il y a trahison. Il a trahi Jean-Pierre Bemba, il a trahi Kabila, et maintenant, il est porteur de mallette
de Katumbi. Mundele loko la ye. Mundele Demi Dakar loko la ye. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été plusieurs fois ministre, ministre à Kabila, notamment le 10 ans, pendant 10 ans, il était ministre de plan à Kabila. Donc si Kabila n'avait pas conçu des écoles, n'a pas conçu des routes, n'a pas conçu des infrastructures, n'a pas conçu des universités, des hôpitaux, des écoles, c'est à cause de Kamitatu. C'est lui qui était le ministre du plan. Le plan de la République, il est pendant 10 ans. Azo fou la man a lelo. Afou la man a lelo. Oh, ma kabou, on s'en est marana. Babilo, on est sur toi, là, ton lobe la moté. Mais ton capté, quand ma message n'aille, surtout son secrétaire général. Secrétaire général, n'a pas ensemble. Il y a Katoum, il y a Lobik. Union sacrée. Et bien, on a un ministre, il y a Union sacrée. Il y a Katoum. Et bien, on a un ministre, et bien, on a un député, on a une union sacrée. Oh. Mais, Bino, Bobi, vous avez une union sacrée. Mais comment vous combattre le président Félix Tshisekedi? Donc, vous allez comprendre que nous, ce sont des gens qui n'ont pas la culture politique. Ils sont en mode contre Moutou. Mais, Bima, dans l'union sacrée, bon, Bima, pourquoi? Piège à haute mer. Piège, Félix Tshisekedi, dans sa libération. Mbeli Mbeli Katumbi qui se prétendait comme étant le milliardaire. Oh, attends, Mbongo est belé. Tout là, il achetait les politiciens à son bifa Frank Diongo, à son bifa Congolais, ma Congolais sale, ma Mike Mukeba, ma Daniel Safou le Diambeur, à son bifa Mbango. Katumbi croyait qu'il était le plus riche du Congo, il était plus intelligent. Bah, Liembo. Tous ces ministres l'ont fouillé. Ministre Christophe Lutundu, la Kimiye. Ministre Nzangi, Moïndo Nzangi, Akimiye, ma député Naye, il avait 70 députés dans l'Union sacrée, groupe parlementaire Naye. Sur 70, 50, Bakimi. Bon, ça a fait Tshisekedi Bino. Bon, ça a fait mon échec Tshisekedi, le Sphinx. Bon, ça a fait. Meli Meli. Yango Bazu, vertige. Il y a un autre mot, toujours la loi Tiani de père et de mère. On ne va plus badiner avec la RDC. Ce n'est plus n'importe qui. Il y a un autre qui se dit tata na yote, tu es maman na yote, tu es wapi, tu es dirigé par Congolais. Ça ne va plus passer. En 2023, Mbeli Mbeli, c'est la ligne. 2023, la ligne, la démarcation. Tous ces infiltrés dans le feu. Katumbié. Bah Olivier Kamitatu na mai. C'est fini. C'est fini. Toyokio, moi Ibrahim, oh non, dans l'élection 2023, bah Rocha Soki 230 millions de dollars pour la campagne à Katumbi. Voilà, bon, on a eu des pèses à Kala. La Félix Tshisekedi à Kala. Bisous, tu retiens 2 milliards de dollars américains. Bisous, tu retiens 230 millions. Bisous, tu retiens 2 milliards. La 2023. On va voir le Nébo, les gars. Vous n'allez plus passer. C'est fini pour vous. Alors, troisième point d'abisso, je voulais relever un élément très important. Évidemment, Boto Rolana, il y a des nominations au Salema, l'armée. Si vous faites, c'est que vous avez nommé Pena, comment je dirais, mandataire de l'État. A nommé la SNEL, a nommé la Régie des Eaux, a nommé la. Na fonère, tout et tout là. Alors, beaucoup, t'as mis le robot là. Alors, ce qui m'a plus tiqué dans ma nomination, Ntsingi Mpululu, qui réclamait de gérer la SNEL, prenant Félix Tshisekedi à pessier gestion de la SNEL. Ce qu'on va te voir maintenant, Ntsingi Mpululu, tu as dit, tu es un grand ingénieur, oh, mani, Félix Tshisekedi à pessier, Ntsingi Mpululu, Amoulou Baté, la Kassarente, Félix Tshisekedi à nommer. Venez encore parler ici bêtement, comme des perroquets malades. Mais moi, je vais mettre sur ma soudain, il y a tribalisme. Car à la cadre, il y a un tribalisme, mais voilà, il y a une bête à siété. Mais le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas n'importe quel président. Il est un gars, c'est un monsieur très courageux. Moi, la mon angoté, depuis la bota, mon angoté. Félix Tshisekedi,
président de la République, le commandant de la garde républicaine, donc DSP, il y a Félix Tshisekedi, Aza Kassayen, Aza Mouloubati. A nomagi d'abord, Chiwewe, Aza Katangé. Aeko nomé Sikoyo, Oya Sikoyo, Azali Kivusien, Aza Mouta Kivu, Mouta Walungu. Ba nomé ye. Chef ya garde républicaine. Aza Mouloubati, Aza Kassayen. Même Mobutu ne faisait pas jamais ça. Mobutu va nommer Gara Bangwandi na poste wana. Bangwandi na poste wana. Tu vois, ça va la président pour être courageux. Voilà. Bravo. Attends, Mobutu a ça la minorité. N'a pas Laurent Désiré Kabila. N'a pas Joseph Kabila. Bah, ça la minorité. Mais Félix Tshisekedi au salaire. Bon, mon état d'esprit à président wana. Alors, toujours dans le cadre de toujours, il y a ma nomination autour. Tu as vu ça qui m'a que non. La guerre à S est aussi la calamité. Ma nomination au président Félix Tshisekedi à la carte armée avec le général Christian Tshiwewe, un général pasteur, un grand commando, chef d'état-major général de l'armée. Bah, comme il y a déjà 145 officiers. Wande, bah, bimisi, bah, déjà l'armée. Mais, dans ma nomination là-bas, il y a une polémique, et bimaki, une polémique idiote, moins réfléchie. Oh, voilà, le commandant adjoint. Yachiwewe, c'est un Rwandais. C'est une polémique, c'est une intoxication bête. Mais qu'à cela ne tienne, à supposons que c'est vrai, que je vous dis que j'ai là-bas réflexion, à supposons que c'est vrai, mais il faut comprendre l'intelligence en fait, c'est ce qu'il y a dans la carte. Le sang lave le sang. Le sang lave le sang. Basoro la ramakila, kakana makila. Bako si les infiltrations, quand on a infiltration, son boy va la rôter. Kaka mais n'est pas plus intelligent que les Congolais a infiltré ba Rwandais dans quartier Arame, dans quartier RDC. Tu rejoindras ba infiltré au ya ba Rwandais au Kabi Kaka Matindi. On va les formater, on va les laver le cerveau et on va les utiliser contre Kagame. C'est ça qu'on fait avec l'espionnage. Quand il y a l'espionnage, il y a dans l'espionnage contre espionnage des alliés. Dans le terrorisme, il y a anti-terrorisme des alliés. Et dans l'infiltration, il y a la contre-infiltration. Vous allez utiliser les mêmes éléments infiltrés par Kagame pour démanteler d'abord l'infiltration et aussi s'attaquer à Kagame. Bon, moi, il y a l'infiltration des alliés. C'est de cette manière. Donc, on y a raté dans les réseaux sociaux avec des bêtises croyant diminuer tout ridiculiser le président Félix Tshisekedi, alors qu'il s'agit de l'intérêt du peuple, du survie de notre peuple, sans réfléchir mûrement. On va te rouler dans la farine. On va te rendre bourrique. Voilà. Donc, attention, on va dire, on n'a pas mal. Donc, pratiquement, M. Sili Bandebonangaï, on peut s'en rembote. Na papa Togo Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Conde na Rale, aux États-Unis d'Amérique, on peut savoir en beauté. Colin, pasteur Colin, na so peut na papa Sophie, na maman Sophie, na on peut savoir en beauté. Ndegonangai Yves Lumaya, na lead, na Angleterre, na Pesibino, Mbote, et Sika Bozali. Et monsieur Siri, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour la RDC, priez pour que Jomou Kenji, membre de l'UDPS. Bye 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 bye, à la prochaine.